Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. M'entendez-vous chanter, Betty? Je n'ai pas cru poli d'écouter, monsieur. Dommage pour vous, je ne chante pas juste. Ça, tout le monde peut le faire. Mais j'ai une certaine forme d'émotion dans la voix. Mettre de l'émotion dans cette comédie musicale prouve que monsieur a une grande faculté d'adaptation. En amour, je sais toujours m'adapter, mais vous ne pouvez pas comprendre. Certes, j'en suis à mon troisième mari. Je ne sais pas si c'est moi ou eux qui n'arriveront pas à nous adapter. Trois maris? Diantre! Oh ben vous savez vous faire aimer. Il est toujours important d'être aimé. Mais je vous trouve bien gourmande. Je ne saurais faire une compétition avec monsieur. Votre gourmandise est légendaire. Ah, ça, je ne peux pas vous contredire. À propos, où sont les canapés aux concombres pour ma tante Augustine? Pour être précise, environ 20 centimètres de votre genou gauche. Merci, Betty. Je dois également prévenir monsieur de la venue de monsieur Saint-Jean. Il a appelé il y a 21 minutes. Aimé, il tombe bien. Ségolène passe aussi cet après-midi. Dès qu'il se présente, menez-le ici, je vous prie. Je crois que ce sera rapide, monsieur. Bonjour, Dorian. Aimé, mon cher ami aimé, je disais à l'instant à Betty qu'il est important d'être aimé. Merci, Betty. Qu'est-ce qui t'amène à Paris? Oh, le plaisir. Rien que le plaisir. Quoi d'autre donne envie de se déplacer? Et toi, toujours en train de manger, à ce que je vois. Mais les 4 heures, voyons, pour rien au monde. Je ne manquerai un repas. Oui, c'est bien ce que je disais. Où étais-tu passé depuis jeudi dernier? Oh, j'étais à la campagne. Et que peux-tu bien y faire? À Paris, on s'amuse. À la campagne, ce sont les autres qu'on amuse. Et c'est à mourir d'ennui. Mais qui amuses-tu donc? Eh bien, le voisinage. Il y a de la vie à la campagne, tu as des voisins. Ils sont abominables, je ne leur ai jamais parlé. Charmant. À propos, ta maison de campagne est en Anjou? Oui, en Anjou, oui. Mais dis-moi, pour qui sont tous ces préparatifs? Tu attends quelqu'un? Seulement tante Augustine et Ségolène. J'en suis ravi. Et moi, je doute que tante Augustine soit ravie de ta présence. Et pourquoi? Mon cher, ta façon de flirter avec Ségolène est honteuse. Tout aussi honteuse que la façon qu'a Ségolène de flirter avec toi. Mais j'aime Ségolène. Je suis sur Paris pour lui demander sa main. Oh ben, je croyais que t'étais venu pour le plaisir. Oh ben, j'appelle ça un voyage d'affaires. Toujours si romantique. Mais qu'y a-t-il de romantique à dire oui devant un homme déguisé en Miss France? L'essence même des histoires d'amour, c'est l'incertitude, pas les signatures. Mais dis-moi, ça m'a l'air bon tout ça. Mais n'y pense pas! Tes canapés sont pour tante Augustine. Oui, mais toi tu n'arrêtes pas d'en manger. Ça n'a rien à voir, c'est ma tante. Prends plutôt les fromages de Hollande, ils sont pour Ségolène. Elle a bon goût. Mais laisse-lui, hein. Mais tu te compares. Déjà, comme si tu étais son mari. Et je doute que tu ne le sois jamais. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je ne pense pas te donner mon consentement. Ton consentement? Eh oui, mon cher. Ségolène est ma cousine germaine. Et avant que je te permette de l'épouser, il faudra que tu éclaircisses une histoire à propos d'une certaine Cécile. Cécile, mais je ne connais personne du nom de Cécile. Mon porte-carte, je le cherche depuis des jours. J'étais même prêt à offrir une réponse qui me le retrouverait. Ma foi, je ne suis pas contre. Je suis particulièrement à sec en ce moment. Enfin, il n'y a plus lieu d'offrir quoi que ce soit vu que je l'ai retrouvé. Allez, maintenant tu me rends ce porte-carte. Non, tu te trompes. Ce porte-carte est un cadeau d'une certaine Cécile. Et tu m'as dit que tu ne la connaissais pas. Bon, puisque tu insistes, il se trouve que Cécile est ma tante. Ta tante? Oui, une vieille dame fort charmante. Bon, allez, maintenant tu me rends ce porte-carte. Fort charmante, en effet. De la part de votre petite Cécile, avec toute son affection. Eh oui, tes tantes ne sont pas comme la tienne. Soit, mais pourquoi ta tante t'appelle-t-elle mon oncle? De la part de votre petite Cécile, avec toute son affection, pour son cher oncle Jacques. Enfin, quelque chose m'échappe. Déjà, une tante qui appelle son neveu mon oncle. C'est pas commun. En plus, tu ne t'appelles pas Jacques,
Tu t'appelles Aimé? Oui, eh bien, je ne m'appelle pas Aimé, je m'appelle Jacques. Oh, tu m'as toujours dit t'appeler Aimé. Tu es Aimé et reconnu comme tel. Il est absurde que tu ne sois pas Aimé. Tu as une tête à t'appeler Aimé. Tu es l'être le plus aimé que je connaisse. Oui, eh bien, c'est pourtant la vérité. En fait, je suis Aimé à la ville et Jacques à la campagne. Et ce parfait m'a été offert à la campagne. Voilà tout. Admettons. Mais qui est cette Cécile qui t'appelle mon nom? Oh, je te soupçonne d'être un fourberiste. Hein? Quoi? Je t'expliquerai le fourberisme plus tard. Mais auparavant, il faudra que tu m'expliques pourquoi tu l'as aimé à la ville et Jacques à la campagne. Et ça, c'est un peu plus crédible. Oui, bah, difficile d'être crédible. C'est un peu compliqué. En fait, je n'ai pas de parents. J'ai été adopté par un notable Blanchevin, Monsieur Touvois, qui m'a légué toute sa fortune et m'a fait promettre de veiller sur ta petite fille Cécile. Voilà tout. Intéressant. Et où vit-elle? Cela ne te regarde pas. Tu n'y seras de toute façon jamais invité. Oh, c'est aimable. Mais ça ne m'explique pour toujours pas pourquoi tu es aimé à la ville et Jacques à la campagne. Eh bien, je me suis intenté un frère parisien à la dépravation notoire nommé Aimé. Il me permet de m'absenter de ma campagne ennuyeuse pour le trouver à la capitale. Voilà. Ah, j'avais donc raison. Mais t'es un fourberiste. Bon, attends toi de m'expliquer. Eh bien, tu t'es inventé un frère pour t'échapper à Paris quand tu le souhaites. Eh bien, moi, je me suis inventé un malade chronique du nom de Fourbert pour aller à la campagne quand je veux. N'importe quoi. Bien au contraire. Sans son état de santé extraordinairement instable, je ne pourrais pas dîner avec toi ce soir au Fouquet's. Mais je ne me souviens pas d'avoir réservé ma soirée. Mais bien sûr, tu es d'une incivilité, d'une incorrection chronique lorsqu'il s'agit de m'inviter au restaurant. Mais de toute façon, nous ne pouvons pas dîner au Fouquet's. Je leur ai essayé une ardoise de plus de 700 euros et ils me relancent d'une manière déjà bien fatigante. Mais pourquoi ne les paies-tu pas? Tu roules sur l'or? Moi, oui, mais pas Aimé. Je veille scrupuleusement à sa réputation. Il se doit de ne payer aucune facture. Il reçoit une aide du CIE au moins une fois par semaine. Ska, dis non, crions. Mais tu ferais mieux de dîner chez ta tante. Il n'en est pas question. Et je sens déjà que la santé de mon pauvre ami Fourbert est au plus mal. Il serait temps que, pratiquant toi-même l'art du fourberisme, tu en respectes les règles. Mais je n'ai rien d'un fourberiste. Si Ségolène veut m'épouser, je tue mon frère aîné. J'avais de toute façon l'intention de m'en débarrasser. Cécile s'intéresse un peu trop à lui. Elle en aime son côté dépravé. Et je trouve ça fort déplacé pour une jeune fille de 17 ans. Et je te conseille de faire de même avec ton ami malade affublé de ce nom ridicule. Rien ne me ferait me séparer de Fourbert. Et si tu te maries, ce dont je doute fort, tu seras bien heureux d'en faire la connaissance. Sinon, je te promets une vie bien morne et bien ennuyeuse. Mais Ségolène est la femme de ma vie. Et je n'ai nul besoin d'un malade à m'occuper. Heureux les simples d'esprit. Écoute, faisons un marché. Si j'arrive à éloigner tante Augustine quelques instants, afin que tu puisses demander Ségolène en mariage, acceptes-tu de dîner avec moi ce soir au Crillon? Bon, c'est équitable, si cela te dit. Ouais, il me dit toujours de dîner en bonne compagnie. Ah, je crois que nos invités arrivent. Madame Dumelet et sa fille. Bonjour, mon cher Dorian. Bonjour, ma tante. Mon Dieu, Ségolène, mais quelle élégance! Je suis toujours élégante. Vous êtes la perfection, mademoiselle Dubélet. Dorian, je prendrai bien de ces délicieux canapés aux concombres que vous m'avez promis. Mais bien sûr, ma tante, bien sûr. Betty, servez! Qu'attendez-vous? Je prie monsieur de bien vouloir m'excuser, mais ils ont apparemment beaucoup de succès. Et les réserves sont épuisées. Mais je vous les avais expressément demandées. Mais Betty, c'est inadmissible. Maintenant, me pardonnerez-vous son incompétence? On ne peut être sûr de personne. Laissez, mon cher Dorian. Rien ne pourra m'enlever la joie de vous voir parmi nous au dîner de ce soir. Vous nous régalerez de votre voix. Je crains, madame, de devoir renoncer au plaisir de dîner en votre compagnie ce soir. Si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Ma table en serait toute désorganisée. Et qui plus est, nous serions 13. Votre oncle serait obligé de dîner seul dans la cuisine. Votre déception n'a d'égal que la mienne, sachez-le bien. Mais j'ai reçu un appel cet après-midi, m'informant que mon pauvre ami Fourbert a fait une grave rechute. Je ne peux que me rendre à son chevet. Votre ami est affublé d'une santé bien défaillante. Un grand malade, en vérité.
Il serait vraiment temps que votre ami se décide à vivre ou mourir. Ses rechutes permanentes sont un manque de savoir-vivre certain. Dirai à votre monsieur Fourbert qu'il évite de faire un malaise d'ici samedi, car je compte sur vous pour animer notre soirée. Oh, je tâcherai de rétablir pour cette date. À propos de cette soirée, j'ai des idées de menus originaux, des propositions de traiteurs. Auriez-vous l'obligeance de m'accompagner dans la pièce voisine afin de consulter? Merci, Dorian, c'est très délicat de votre part. Je vous suis. Ségolène, venez avec moi. C'est une belle journée. Le temps est un sujet qui en cache bien d'autres. Êtes-vous sûr de vouloir me faire un bulletin météo? Il y a en effet un autre sujet que je souhaiterais aborder avec vous. Voyez, je ne me trompe jamais. Bien, allez-y. Ma mère risque de revenir d'un moment à l'autre. Eh bien, mademoiselle Dubélet, je dois vous avouer que mon admiration pour vous est plus importante que pour toutes les autres femmes que je rencontre. Que je pourrais rencontrer. Ah, tant ! J'ai failli attendre. J'avais espéré que bien des fois, vous soyez plus démonstratif. Voyez-vous, votre personne me fascine au plus haut point. Mon idéal a toujours été d'aimer un être sapulaire. Il y a dans ce prénom une promesse d'amour constante. Il est une chance pour ma santé que ce prénom soit relativement rare. Mais n'êtes-vous vraiment Ségolène ? Passionnée. Oh ma chérie, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mon aimé. Mais est-ce à dire que vous ne pourriez m'aimer si je ne me prénommais pas aimé? Vous vous appelez aimé? Oui, bien sûr. Mais dans l'absolu, si ce n'était pas le cas, vous ne pourriez m'aimer? L'absolu n'a aucune relativité. C'est une idée absurde. À vrai dire, je n'aime pas trop le prénom d'aimé. Il m'évoque plus une coupe du monde qu'une sensation amoureuse. Il ne me va pas et je déteste le football. Mais vous va ravir! Vous avez une tête à vous appeler aimé. Et de plus, ce prénom fait pour moi des vibrations d'une extrême sensualité. Mais il y a des tas d'autres prénoms tout aussi émouvants. Tenez, Jacques, par exemple, c'est charmant, Jacques. Jacques ! Je plains la femme qui se marie avec un Jacques. Je lui promets des dimanches longs et ennuyeux. Ségolène, il faut que nous marions sans tarder. Je vous trouve bien cavalier. Est-ce comme cela qu'on vous a appris à faire une déclaration de mariage? J'avoue que je manque un peu de pratique. Ségolène? Monsieur Salon, qu'avez-vous à me dire? Oh, mais vous le savez très bien. Encore une histoire de météo? Ségolène, voulez-vous m'épouser? Accordez-moi un instant de réflexion. Mais bien sûr, mon aimé. Monsieur Salon, que faites-vous dans cette posture de semi-gisant? Veuillez vous relever immédiatement. Maman. Veuillez vous retirer, monsieur Salon n'a pas terminé. Terminez quoi, je vous prie? Je suis fiancée à monsieur Salon. Pardon? Vous n'êtes fiancée à personne, ma petite. Le jour où vous le serez, c'est moi-même qui vous en informerai. Monsieur Salon, j'ai quelques mots à vous dire. Ce sera un plaisir de les entendre, madame. Méfiez-vous, ma mère, elle est plus perfide. Ségolène, veuillez m'attendre dans la voiture. Mais maman! Dans la voiture! Ségolène, dans la voiture! Oui, maman. Vous pouvez vous asseoir, monsieur Saint-Lô. Merci, mais je préfère rester debout. Je dois vous avouer, monsieur Saint-Lô, que vous ne figurez pas dans ma liste des partis envisageables. Cependant, je serai disposée à vous y inclure si vos réponses sont convenables. Alors voyons cela. Fumez-vous. Je dois vous avouer que je fume, en effet. Parfait. Bien que les hommes s'occupent. Quel âge avez-vous? 29 ans. Bonne moyenne pour le mariage. Et quels sont vos revenus? Oh, environ 200 000 euros par an. Immobilier ou en bourse? Surtout en bourse, mais je possède toutefois une maison de campagne. Quel ennui! Vous avez quand même un appartement à Paris, je suppose? Oui, bien sûr. Au 12 Quai d'Anjou, sur l'île Saint-Louis. Le 12? Mais ce n'est pas un numéro à la mode. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Et vos parents, sont-ils toujours en vie? J'ai perdu mes deux parents. Tous les deux?
Perdre un parent peut être considéré comme un malheur, mais en perdre deux s'apparente à de la négligence. Et qui était donc votre père ? J'ai bien peur de ne pas le savoir. Je vous ai dit avoir perdu mes deux parents. Il serait plus exact de dire que ce sont eux qui m'ont perdu. J'ai été, comment vous dire, trouvé. Trouvé ? Oui. Un gentleman bon et charitable m'a recueilli et m'a donné le nom de Saint-Loup, sans doute en référence à la guerre manger où il se rendait. Et où ce gentleman si charitable vous a-t-il trouvé ? Dans un sac de voyage. Un sac de voyage ? Oui, madame, dans un sac. Un sac de grande taille avec de belles poignées. Et où était ce sac de voyage avec ce bel poignet ? À la consigne de la guerre Montparnasse. On lui avait donné par erreur à la place du sien. La consigne de Montparnasse ? J'avoue que vos dires me laissent stupéfait. Être né dans un sac, qu'il ait ou non de belles poignées, peut paraître témoigner d'un mépris total pour les convenances. Ce ne peut être une base solide pour faire partie d'une société de notre niveau. Mais que dois-je faire alors ? Sachez que j'aime Ségolène. Je ferai tout pour faire son bonheur. Eh bien, je ne peux que vous conseiller de trouver une famille honorable dans les plus brefs délais pour me présenter un père ou une mère convenable. Ma foi, je ne vois pas comment je le pourrais. Je peux vous présenter le sac si vous le désirez, ça devrait vous satisfaire. Me satisfaire ? Mais qu'ai-je à voir avec tout cela ? Vous n'imaginez pas notre Ségolène former une alliance avec un sac qui est au nom de belles poignées ? Vous comprendrez, monsieur Saint-Loup, qu'il ne peut y avoir quoi que ce soit entre notre Ségolène et votre personne. C'est Ségolène. Ah, s'il te plaît, Dorian, arrête, ce n'est vraiment pas le moment. Oh, tu ne vas pas me dire que Ségolène n'a pas voulu de toi. Oh, les femmes ne savent vraiment pas ce qu'elles veulent. Oh, mais Ségolène est irréprochable. En revanche, je ne peux pas en dire autant de ta tante. Son éducation s'est arrêtée à l'Inquisition. Mais bon, excuse-moi, Dorian, je ne devrais pas parler de ta tante en ces termes. Mon cher, j'adore entendre du mal sur ma famille. C'est la seule façon que j'ai de les supporter. Dis-moi, Dorian, tu crois que Ségolène finira par ressembler à sa mère dans environ 150 ans ? Mais toutes les femmes finissent par ressembler à leur mère ! C'est grave ! À Ségolène que tu étais aimé à la ville et Jacques à la campagne ? Mais bien sûr que non. La vérité n'est pas chose à dire à une femme. Décidément, Dorian, tu n'as aucune idée sur la façon de se conduire avec une femme. Oh, il n'y a qu'une façon de se conduire avec une femme. C'est lui faire la cour si elle est jolie et la faire à une autre si elle ne l'est pas. Tu comptes mener ta double vie en permanence ? Justement, non. Avant la fin de la semaine, je me serais débarrassé de mon frère envahissant. Je pense même le tuer à Londres. Pourquoi donc à Londres ? Eh bien, plus il sera loin, et moins j'aurai à me compliquer la vie avec ses obsèques. Je pense même le tuer d'un arrêt cardiaque soudain. Il y a des tas de gens sans cœur qui cessent de faire battre soudainement. C'est souvent héréditaire. Tu fais planer un doute sur ta propre santé, mon ami. Tu crois ? Tu as sans doute raison. Il me faut trouver autre chose. Bah, t'as qu'à dire qu'il n'a pas survécu à la grippe aviaire. C'est pas héréditaire, ça ? À moins de concubiner avec une poule. Mais je pense que de ce côté-là, tu peux être tranquille. Très bien, son compte est bon. Et tu ne m'avais pas dit que cette jeune, que ta pupille, cette jeune et charmante Cécile, s'intéressait de près à ton frère aimé. Elle sera extrêmement triste d'apprendre sa disparition. Mais Cécile est une jeune fille pure, très fleur bleue, elle s'en remettra. Cette petite ne pense qu'à rêver, à faire de longues promenades en se désintéressant de façon chronique à ses leçons. J'aimerais bien rencontrer Cécile. Bah, je ferai mon mieux pour qu'il n'en soit rien. Et je te prierai de ne plus l'appeler par son prénom. Bah, elle doit être extraordinairement laide pour que tu la caches de la sorte. Figure-toi que justement, elle est de toute beauté du haut de ses 17 ans. Ta Ségolène est au courant ? Mais bien sûr que non. Ce n'est pas un sujet de conversation quand on demande une femme en mariage. Mais je suis certain qu'elles s'entendront comme deux sœurs. Bon, si tu le dis. Oh, il fait faim. Allez, préparons-nous. Si on voulait avoir une bonne place au crayon. Décidément, il fait toujours faim, toi. Aimé ? Ségolène. Dorian, veuillez vous retourner et n'écoutez que d'une oreille. J'ai quelque chose de personnel à dire à monsieur Saint-Loup. Avec ma mère, je doute que nous puissions nous marier facilement. J'ai perdu toute influence sur elle
après mes 3 ans. Mais je ne peux me résoudre à vous perdre. J'ai votre adresse de Paris. Quelle est celle de votre campagne que nous puissions échanger quelques lettres? C'est à l'hôtel des pénitentes, dans le quartier de la Doutre, à Angers. Et jusqu'à quand, si j'en ai 12 à Paris? Lundi, normalement. Je vous raccompagne, ma Ségolène. J'ai une table à réserver pour ce soir. Venez, ma douce. Betty! Oui, monsieur? Merci pour les canapés, mais faites-les moins bons la prochaine fois, que j'en laisse à ma tante. Je vais m'en prier, monsieur. Désirez-vous autre chose? Oui, un whisky. Bien, monsieur. Le regard de monsieur est des plus brillants. Je soupçonne monsieur de préparer une de ses fourberies. On ne peut rien vous cacher, Betty. J'ai bien peur que votre prochaine victime soit la pupille de votre ami. Exact. Je vais aller fourberiser en province pour me faire aimer. Si tout se passe bien, je serai de retour lundi. Veuillez me préparer les valises. Bien, monsieur. Je sens que je vais aimer Angers.